Et salut gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zombie Smasher. Bon. Alors, nous allons faire des niveaux. Je vais enlever ça. Parce que si je vous dis tout, après je vais vous spoiler. Comme par exemple, mon frère il a pas vu ma machine. Il a pas vu ma machine. En gros, ce sera pareil avec les nouvelles. Top petit, petit zombie dog, my chance, change direction of all. Speed up when it is running. Ok. Aujourd'hui, on va faire juste le niveau. Construit une extraordinaire Dragon City. Nourrir. Top Tokyo, this zombie can drill into earth and move underground
You can only kill it when it is on the ground. Voilà, c'est Zombie Crozer. Zombie Crozer. Pas de Zombie Crozer. En gros, quand ils sont rentrés dans la terre, on ne pouvait pas les tuer. Alors, ça, oui, c'est ça qu'on les aime pas. C'est une trésor. Oh, on en est à la moitié. J'avais dit qu'on serait jusqu'au niveau 20. On en est au bout. On s'en débarrasse des zombies. Vous voulez bouffer notre cervelle? Ah bah non, ils ont plutôt l'air de bouffer nos cœurs maintenant. Regarde les cœurs qu'on a, ils veulent les bouffer. Bon, vous voulez bouffer nos cerveaux, nos cœurs, c'est pareil, hein, ça fait un argument. Peut-être pas, mais je m'en fous. Eh ben, vous allez voir de quoi je me chauffe, les petits gars. Et hop, tu crois que je vais les laisser rentrer chez moi? Hors de question! Ben si. Ben non. Pas de nouveau, je vais. Parce que ça allait déconcentrer pour être venu les zombies. Allez hop, écrabouille, 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 écrabouille. Oh la chance, j'ai failli écrabouiller le petit humain. Oh, je suis un pauvre civil qui se fait attaquer par des zombies. SOS. Tap to kill it. This zombie can teleport horizontal. On va l'appeler zombie sorcier ou zombie power, zombie magique on va dire, parce qu'il peut se téléporter. Je vous laisse voir ce qu'il fait dès que je vois. En général ils jouent doucement les zombies comme ça. Alors bonjour. Voilà ce qu'il fait. Ce n'est pas comme ça, vous avez vu. Wallywaru. Oh, oh. Final wave. Oh, j'ai failli en écrabouiller un demain. Maudite pub. Pas de nouveau zombie pour l'instant. Dégage! C'est pas chez moi, sinon tu vas me bouffer un hein,
Oh, 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 j'ai failli les toucher les deux. C'est la chance que j'ai, parce que si je les aurais tués, et ben je serais mort aussi. Elle compte pas. Elle compte pas. C'est une femme qui m'a fait glisser mon doigt. Donc ça compte pas. Oh là là. Oh, oh. Ça compte pas. D'accord, ça compte pas. C'est comme si vous n'aviez rien vu. Non, je rigole. En fait, je voulais juste vous montrer ce qui se passe quand vous écrabouillez un humain. Mais sinon, ça compte pas, c'était juste pour la démonstration. C'était juste une démonstration. Eh ben, ouais. Eh ben. Allez, c'est le petit fou. Pas de nouveaux zombies dans le 14. Allez hop là. Alors la semaine prochaine. Non, vous savez quoi, je vais lui dire à la fin de la vidéo parce que c'est pas le moment. It's not the moment. It's not the time. The time for explication. C'est mon frère. Écoutez, c'est mon frère. Il m'a fait glisser mon doigt. Genre, j'ai fait comme ça. Ah oui, vous voyez ce qu'on peut faire avec les zombies parfois? On peut faire ça. Une trace de sang comme ça. Un peu chaud. Hein. Genre, elle a été écrasée par une voiture et il y a son sang qui sort des pneus. Beurre. She's dead. Non. Hi. Boo. Oh! Non mais! I'm don't lose! I'm wines! Non pas, j'ai pas fait une seule défaite. À part la défaite d'avoir tué un civil. Pour vous faire la démonstration et la défaite d'avoir tué un civil par cause de mon frère qui m'a fait glisser mon doigt. Parce qu'il m'a déconcentré en me faisant un doigt d'honneur. Maintenant vous savez pourquoi j'ai tué le petit bonhomme sans faire exprès. Headshot. OMG. What? Pas de surprise, c'est bien. Niveau 16. Toujours pas de nouveaux zombies, hein. Yeah.
temps de lire au début de la vidéo, j'ai marqué attention, cette vidéo est interdite au moins de 10 ans car les zombies se font écrabouiller. Non. Attention, vidéo contenant beaucoup de sang et de zombies. Moins de 10 ans. Attention, moins de 10 ans, vidéo contenant beaucoup de sang. Tap to kill it. When you kill the mother zombie, the baby zombie will run to you. Eh ben, t'as pas de surprise, à part ton bébé. Surprise, j'ai fait un gosse et il va s'en aller, bye guy. Oh, je me suis suicidé, cours, piston, cours. Je me suis fait travailler, cours, piston, cours. What? Non, ça compte pas. On dit que ça compte pas parce que mon frère arrête pas de chanter si vous l'entendez et du coup ça m'a déconcentré. Dégagez, bande de chien. Bande de fils de chien. Où sont les mamans? Moi, pas savoir mettre. Elles vont venir à la fin, c'est sûr. Moi, je vais me faire peur. Allez, hop. Voilà. Nous sommes au niveau 18. Très bien. Voilà. Ce sera la fin. En plus, ça rime. Allez, hop, c'est fini. Pour aujourd'hui. Et ça rime. Avec Karim. Voilà pourquoi je vous disais que son frère qui me déconcentre. Parce qu'il chante. Maintenant vous avez la preuve que ce n'est pas de ma faute, mais j'ai perdu une fois, mais juste une fois. Après la première fois que je suis mort, c'était pour vous montrer comment, qu'est-ce qui se passe quoi quand on tue un civil. Mort de rire. Allez, niveau 20. I'm killing you. Allez, c'est la fin des zombies. Adios.
les zombies. Non, oui, oui, oui. Final Way. Donc la prochaine fois on fera jusqu'au niveau 40 et après 60. Alors, au revoir les gens. Alors, je vais vous dire les projets de vidéos que j'avais à faire. J'avais prévu de faire le show. On fait notre show Flash Info. Ensuite, je ferai une vidéo la semaine suivante. Sur mes meilleurs podcasts. Ensuite, la semaine suivante, je ferai une vidéo sur. Bah, ce sera une surprise pour une autre vidéo. Et je vais vous dire pourquoi je ne ferai pas le challenge d'Am Chicosita. Parce que. Chut! Parce que ça veut dire une chose très dégoûtante. Qui se dit même pas, qui se voit même pas. C'est dégoûtant. Pour savoir ce que ça veut dire, je ne vais pas vous le dire. Mais sinon, allez dans Google. Dans Google. Et marquez traduction d'Am Chicosita en français, pardon. J'allais dire en anglais parce qu'il me saoule. En français. Et vous allez voir ce que ça veut dire, c'est dégoûtant. Bye les gens, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.